Ça va être chaud, le sang-froid. Ouais, et soyez fair play, premier tour, hein, tranquille. Ouais. Bougez pas, bougez pas. Aussi en fait, parce que t'es pas très loin de Siro. Allez, attention. Non, mais si on se voit pas l'un l'autre, normalement, il n'y a pas de problème. Moi, je vois tout le monde, c'est bizarre qu'il y en a qui se voient, il y en a qui se voient pas. Allez, on est bien. Deux. Bon, on vous fera quoi devant qu'un départ. 5, 6, 7, 8. Allez, on est parti avec Alex qui a fait le décompte et qui est en première position dans ce Grand Prix. Allez, en deuxième position, Mathieu et Seb qui se battent pour la deuxième place. C'est très serré pour l'instant, début de peloton. Alors, on voit un pilote qui s'est écarté. Quatrième, Siro. La première. On trouve l'heure de se passer. Ça pour freiner. Ah, Siro qui bataille mais avec Seb et qui ne le voit pas de toute façon a priori. Okay. Chaud. Alors que devant. Attention, attention à nouveau Siro qui attaque et qui passe en troisième position. Oh là là, oh c'est viril l'affrontement. Yes. Là, je t'avais dit. Là, pour. Ouais, effectivement, il ne se voit pas. Alors, techniquement, c'est un peu compliqué de vous indiquer si c'est un duel ou pas. Du coup, voilà, on va regarder derrière ce qui se passe. Cinquième position, on a Jérémy. Sixième, Will. JPA, septième. 8ème Audi, 9ème Eltrist, 10ème Gazafon, S24 11ème, 12ème Bull, talonné par Duff pour la 13ème place. Voilà, Bull 13ème qui vient de se faire dépasser par Duff, 12ème, 14ème Malfi. Oh là là, oh là là, oh là là, difficulté là, Duff passe 13ème. Malfi 14ème. Allez, on retourne en tête de cette course. Avec Alex leader. Deuxième, Matt. Derrière, un petit creux entre Siro et Seb. Petit creux entre Matt et Siro, voilà. Derrière la troisième place disputée entre Siro et Seb. Cinquième, Jérémy. Sixième, Will. Sixième, Audi. Septième, JPA, pardon. Audi, huitième. Ouais, ça bouchonne derrière. Ouais, c'est très resserré là pour l'instant. Siro qui a pris large, Seb également. Jérémy seul cinquième pour l'instant. Il y a un écart maintenant, un écart avec à partir de la 6ème place, Will, oh la 6ème, un écart encore, et là, sa bataille pour la 7ème place. Allez, oula, Audi qui passe. Si tu veux faire un bidon, il faut passer. Oula, attention, c'est serré. Enfin, après.
Attends, je te dis quand. Ouais, c'est pas. Merci. Ah, du coup, j'ai perdu du temps. Et si tu veux repasser, repasse vite. Ah, il est Victoria, je peux pas, moi. Ouais, mais même me pencher, je peux pas. Bonne nuit, Victoria. Je peux pas, là. Je peux pas. Je peux pas. Oui. Bonne nuit. Salut, salut. Allez, oh là là, beau contact là entre Audi et JPA. Et Eltrist en difficulté qui est 12ème maintenant. Oh là là, super peloton là. Oh ça. Attention, Audi qui passe 9ème, qui a été dépassé. Pas gaz à fond. Je suis passé Marine, c'est maintenant. Oh là là, c'est tendu là, c'est tendu derrière. Audi 9ème. Et attention S24 derrière. Attention, contact avec Bull également. Oh là 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 là. Oh, il y a eu une sorte d'harponnage là entre S24 et Audi. Finalement, S24 passe 9ème. Audi là, te voilà. Ah, mais c'est pas ça. Oh putain, ça tape de tous les côtés. Ah oui, là on voit, hein, là Audi S24. Oh là là, c'est très serré. Oh, Bull qui va peut-être faire une superbe affaire s'il ne prend pas trop large. Eh non, il est redépassé par Audi. Ah, mais S24 est derrière. T'y croyais pas, chaud, hein. T'y croyais que j'allais me sortir, hein. Bah, c'était limite, quand même. Ah, c'était... J'ai pas dit que c'était pas limite, hein. Allez, Duff qui passe 13ème. On se concentre pour l'instant. Allez, alors attention. Il y a un duel là. Eltrist a dû faire une erreur. Tout comme Duff juste avant lui. Allez, on repart sur Bull en 10ème place. Alors que Gaz à fond s'apprête à dépasser JPA. Va-t-il réussir? Ah oui, oh, c'est magnifique, c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Gaz à fond. 7ème. Et Bull contact sur Audi. Qui est passé, mais qui a Audi dans son angle mort. Ah oui, Audi est là. Et Audi peut repasser devant prochain, la prochaine chicane. Attention au freinage. Attention, j'espère que tout va bien se passer. Oui, pas d'harponnage, c'est parfait.
Allez, peut-être Bull va profiter pour passer également JPA. Différence de vitesse de pointe se fait sentir, attention. Oh, gaz à fond devant est en danger, JPA. Non, pour l'instant tout le monde maîtrise, personne n'attaque vraiment. Alors qu'il y a des problèmes techniques là sur le salon qui font que... Et voilà, Bull qui est quand même passé, attention. Va-t-il pouvoir aller attaquer gaz à fond? Va-t-on assister à la remontée fantastique de Bull? Il va prendre 3 places. Il peut prendre 3 places en quelques minutes. Alors pour l'instant, en tête, les positions sont stabilisées. C'est vraiment à l'arrière de la course que... le spectacle est présent. Les gaz à fond qui mènent la meute de 6 coureurs. JPA qui a laissé passer Audi. Oh, attention là. Oh, très. Oh, c'est très bien joué. C'est très bien joué ce que vient de faire JPA. Malheureusement, ça va être compliqué de tenir. Ah, il y a le triste qui peut se mêler à la bagarre. Oh, et oui, et alors là, JPA qui est parti visiter la pelouse. Ah non, il est là, il se maintient. Je n'ai rien dit. Oh là, attention. Alors que devant, Bull est passé. Gaz à fond va en profiter peut-être pour reprendre sa 7ème place. Les premiers aérostands qui vont pas tarder normalement. Bull est toujours devant. Attention au freinage. Ouais, Audi qui a pris large. Pas d'incidence pour lui. Ouais, Audi qui a pris surtout une pénalité, qui est dépassé. Voilà. Audi maintenant 11ème. Alors quel triste. Passer au forcing. Non. Il reste derrière. JPA. Alors que devant, on voit gaz à fond et Bull. Ouais, il a joué très prudemment, elle triste là, de peur de percuter JPA. Allez, elle triste 9ème maintenant.
Oh là, attention, attention, la passe de 2 peut-être pour JPA et Audi sur ce virage. Oh, c'est très serré là. Eh oui, malheureusement, JPA en difficulté. JPA en difficulté. Et S24 derrière lui. Voilà, qui passe 11e. Oh, attention, la petite erreur d'S24 là. Eh oui. Eh oui, JPA en profite. Et Mathieu est passé en tête. Oula. Alex également au pit. Attention, la duel au pit là entre les deux hommes. Siro également. Ouais, tout le peloton de tête là qui passe au pit. Dans les stands. Ah oui, tout le monde passe au pit là quasiment. S24 lui, pour l'instant non, mais on sait qu'il économise ses pneus. Allez, on va voir donc le nouveau classement. Matt leader, Alex deuxième. Alors peut-être qu'Alex a fait peut-être une erreur au niveau de ses pneus. On va voir ça au ralenti. Ouais, Def, c'est filou. Ah, pas sûr, c'est pas sûr que ça tailleur, je pense qu'elle est bien foreuse ma stratégie. Ouais, je pense aussi. Non mais je suis parti court. De toute façon, 10 tours, je les ai fait très tôt avec les pneus. Ah, tu t'es arrêté, d'accord. Mmh. T'es arrêté avant. Ouais, j'ai fini à 1, je te rassure. Et Duff qui a tenté l'undercut. Mais bon, un arrêt de plus, c'est tendu quand même. S24 qui voit Siro juste derrière lui. Siro qui est passé. Ouais, S24 voilà qui voit tout le monde le doubler maintenant. Seb repasse, attention. Voilà. Derrière Jérém. Septième Duff, huitième Will, neuvième Buell, gaz à fond dixième, onzième Audi, douzième JPA, 13 Eltrist, 14 Malfi. Allez, on va retourner. S24 qui est sixième au pit. Qui ressort 11e place. C'est que je suis plutôt sur un bon rythme. J'avoue.
Siro et Seb en lutte pour la troisième place. Seb qui prend une pénalité. Derrière lui, son coéquipier, Jérémy. On profite de cette accalmie dans la course pour revoir les départs les plus significatifs et les événements du premier tour de cette course. Retour en tête de cette course. Et Will se rapproche. Les pneus de Duff souffrent complètement. Ah oui, il est devant, pardon. Voilà, il est dépassé. Duff va devoir passer par les pits. Alors, est-ce dans ce tour? Ah non, il poursuit. Un tour supplémentaire avec un pneu avant gauche à 2. Ça va être compliqué. Allez, Buell et Audi, on lutte pour la 9ème place. Audi qui passe, attention au freinage. Buell reprend l'avantage. Il est large, il est large, va-t-il pouvoir le recouper? Non, il ne recoupera pas. Voilà, Buell 10ème. Derrière, on aperçoit S24, JPA et Eltrist. Tant que, que le tour se termine, pour ma part. Ouais. 1 et 3. Ouais, Audi fait une petite erreur qui est partie large. Attention, Buell est juste derrière. Au pare-choc.
Je dis reste devant. Qui repart en 13ème place. Allez, on regarde rapidement ce qui se passe devant. Matt, leader, Alex, deuxième, troisième, Siro, quatrième, Seb. Ouais, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Biul est toujours en lutte. Oh, et Biul va passer. Voilà, attention au freinage. Et Audi recoupe. Et repasse. Allez, Biul qui s'écarte au tout dernier moment. Ah, hey, Audi qui est toujours devant. Attention, ah oui, Audi fait l'erreur. Ouh là, attention, les deux sont côte à côte maintenant. Allez, mais attention, Biul peut partir trop vers l'extérieur. Allez, au forcing, ça va peut-être passer. La Biul 8ème pour l'instant. C'est 24-10. JPA 11. Eltrist 12ème. Duff 13ème. 14ème Malfi. Allez, très rapidement. On voit ce qui se passe devant. Pour l'instant, pas de chamboulement. Mathieu, leader. 2ème Alex. Troisième Siro, quatrième Seb, cinquième Jérémy, six Will. On voit Gazafon arriver loin derrière. Biul 8, neuvième place pour Audi, dixième S24 et JPA attaqué par Eltrist. Va-t-il passer? Freinage. Ouais, merde. Eh ouais,
Et Eltris qui se foire et qui prend une pénalité. Pas de danger pour l'instant. Mais la 11e place sera pour plus tard. Allez, Bioul. Il a tenté d'attaquer Gazafon, qui arrive très bien même. Oh, il passe facilement. Avec Gazafon qui a... Oh là, oui, mais la réaccélération. Ouais. Bioul qui gagne et Gazafon passe... Est-ce que pas... Gazafon passe au pit? Non. Si, Gazafon est passé au pit. Tenter l'undercut. Pareil pour JPA. Allez, Matt au pit. Alex également. Siro va sans doute y passer, oui, il s'y dirige tout droit. Et c'est le gros passage au 20e tour. Voilà. Alors, si ça se passe bien, c'est le dernier passage au stand pour ces pilotes. Ah oui, qui va y passer également. On aurait dû mettre 31 tours, ça aurait fait chier tout le monde. Moi, ça changeait pas grand chose pour ma part. Allez, Matt qui est ressorti. Je fais manger l'entrée des stands. Alex également, Siro pareil, Seb, Jérémy qui en sort. Allez, 6, S24, 7 qui va passer 6 dans quelques instants, voilà qui est fait. Allez, S24. Voilà, Eltris qui passe 7ème. Duff qui est passé. Voilà, Bull qui va ressortir 10ème. Gazafon juste devant. Merci. Laisse passer. Alors, Bioul va-t-il refaire le même coup dans le même virage? Est-ce que Gazafon a de meilleurs pneus? Non. Alors, devant, que se passe-t-il? Très rapidement. Eltris 6ème, Duff 7ème,
8ème, Will. Il gaz à fond, et Bull juste derrière. Et Bull, oh oui, Bull qui attaque directement et qui passe. Bien joué, Bull, mais attention à la réplique de gaz à fond. Petite erreur de gaz à fond là. Et Bull également fait une erreur. Prend 13 à l'extérieur, sauf si virage. Derrière Audi et JPA qui passe Malfi. S24 un peu bloqué là par la circulation. Attention à Matt, attention à ne pas perturber le leader de la course. Altrice qui passe au pit. Oh, Matt, c'était... 34. C'était, t'as raison, t'as même pour connaître. Ça, tu vas me garder sous pied, quoi. Alors, Duff est sixième. Il va repasser au stand dans ce tour, normalement. Lui, il est pas loin derrière. Voilà, il passe au stand. J'ai perdu, je suis juste derrière toi. Et Sibul tentait la sixième place. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde qui me repasse devant. J'aime pas ça. C'est ça qui est derrière moi, Bill.
perdu du temps dans le trafic. Oh là là, erreur de Bulle. Aïe. Putain, mais c'est toi qui est revenu aussi. Et Gazafon va passer. Hein? Je suis content que tu sois votre frère. Eh oui, et il perd une place du coup, Bulle. T'inquiète, je t'avoue. Ah, je suis content pour moi. Hein. Pas pour toi, bien entendu. Allez, il récupère sa septième. Va-t-il récupérer sa septième place? Attention. Dans ce virage. Oui, c'est fait. Attention à ne pas gêner Mathieu qui est derrière. Attention, gaz à fond. C'est compliqué là, on a un duel. Mathieu va devoir trouver le moment. Ouais. Gaz à fond qui a mis les roues un peu à l'extérieur, mais rien de grave. Merci, Malfi. Mathieu qui profite de l'erreur de Gazafon pour passer. Pour l'instant, Alex est assez loin. Pour l'instant, il y a un écart assez conséquent entre les 5 premiers, voire les 6, puisque Bulle malencontreusement fait une erreur. Et Mathieu qui est à la fin de son 27e tour. Oh, attention Mathieu, attention. Il doit y avoir un léger contact avec Bulle. Allez, sur ce coup-là, faut que Bulle le voie. Voilà. Bulle l'a vu. Mathieu poursuit sa route. Voisin 4, belle glissade, beau travers. Oh, JPA également, parti à l'extérieur. Ah ouais, et JPA fait une erreur, elle laisse passer, elle triste. Ouais, elle ne peut pas revenir sur la piste, Alex, c'est là. Voilà, elle a respecté le drapeau bleu, mais elle a perdu du temps. Un écart s'est creusé maintenant entre Bulle et Gazafon. Derrière, S24 peut perdre sa 10e place. Attention à l'erreur. Ce qui est triste est à l'affût.
Oh, attention Alex derrière. Oh là là, Alex, ça a failli lui coûter cher là, cette petite manœuvre. Voilà, Eltrist qui est passé. Alors à lui maintenant de conserver cette dixième place, la première place dans les points. Alors que Matt a franchi la ligne d'arrivée. Devant. Audi est passé devant Gazafon. Attention à la triste, Alex. Ouh là, c'est passé virilement. Hein. Oh là là, Gazafon qui fait une erreur. Qui s'est pris une pénalité. Sans doute pénalité harponnage. Nickel. Allez, on va remonter tranquillement la grille jusqu'à Mathieu. Seb 4ème, Siro 3ème. Deuxième Alex. Et voilà, Mathieu qui va en finir. Dernières encablures avant la victoire de Mathieu. Et voilà qui est fait, Mathieu, vainqueur. Bravo du Grand Prix de Fujitsan au Japon. Attention, elle triste, il y a Alex. Attention aux voitures qui ralentissent. Oh putain, quelle merde. Oh putain, le Stig, il me rentre dedans, quoi. Casse-couille. Allez Alex qui finit à 16 secondes d'avance, 16 secondes de retard pardon sur Matt. Allez Siro qui va finir, voilà, qui finit 3ème, 33 secondes. Ouh, c'est pas loin, à moins de 3 secondes. Couille. Jérémy, cinquième. Alors que le Gazafon pour l'instant est dixième. Alors là, qu'est-ce qu'il s'est passé pour lui? Oh, cette fin de course est difficile pour Gazafon. Tapé fort, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, pousse-moi dans l'herbe. T'es peut-être pas poussé là? Si? Un petit peu. Oh léger. Léger, léger. Oui. Et voilà, Bull 6 et Will 7. Voilà, ça c'est bien joué pour Bull là qui a rattrapé Will. Mais t'es revenu bien hein, dis donc. Bail. Wow. J'avoue, le Stig. Pour résister, j'ai refait ma caisse. Ouais. Il y en avait besoin. Plus vite, là. Ouais. Il y en avait besoin. Bah, une 33. T'as refait le châssis? Juste avant de faire la course. Ah ouais. Oh. Bon, mais fais chier, je méritais ma 6ème place quand même, je l'ai tenu tout le long. Non, par contre, tu vois, pour une fois, ça me fait plaisir d'être devant vous deux. Bon, j'avoue. C'est pour ça que je râle pas. J'ai envie, mais bon. Bravo à toi, Mathieu. Bravo à tous. Bravo. Ouais. Ouais, c'est bon à tous. Mathieu Gazafon, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont votés sur Matt, je crois. Arrête. Eh, je crois bien. Hein, triste, qu'est-ce que t'as vu? Tiens, je peux pas quitter la partie, autrement, je me serais déjà parti. Arrête. Ah non, là, j'en peux plus, là. Attends, Alex, il arrive, il tire un frein à main.
J'ai d'un peu, j'y rentre dedans. Il oublie qu'il y en a d'autres derrière qui ont encore un tour à faire. Ouais, Alex, c'était pas cool. Ouais, et après, le virage d'après, j'ai tapé dans une bagnole alors que j'avais réussi à monter. Ça m'a gonflé.